L'école Jules Ferry à Templeuve, totalement saccagée. On vous en parlait hier, quatre mineurs ont été interpellés pour dégradation. Ces jeunes âgés entre 15 et 16 ans ont volontairement mis le feu. Ils ont filmé la scène à visage découvert avant de la diffuser sur les réseaux sociaux. Les auteurs présumés ont donc pu être facilement arrêtés. Mais au-delà des dégâts, c'est une immense perte pour l'association Café Crème qui achemine de l'aide humanitaire en Guinée. Car c'est dans cette école désaffectée qu'elle entreposait tout son matériel. Au total, 20 000 vêtements et 7 000 livres sont partis en fumée. Aujourd'hui, les bénévoles sont sous le choc, mais restent motivés à remonter la pente. Ils en appellent à la générosité des Nordistes pour que les familles guinéennes ne soient pas les victimes collatérales de cet incendie. Plus de précisions et réactions au micro de Xavier Silly qui s'est rendu sur place ce matin. Je vais simplement remobiliser mes troupes, on va refaire un point, se réorganiser, attendre que tout ça se tasse. Alors quand je dis attendre que tout ça se tasse, ça va aller très vite. Un local va nous être mis très rapidement par monsieur le maire à disposition. Il va falloir redoubler d'efforts avec l'ensemble des membres et pouvoir recommencer de zéro. Mais pour être franc avec vous, je pense que tout ça, ça ne nous fait pas peur. Bien au contraire, je pense qu'on est trois fois plus motivés qu'il y a 10 mois. Quoi. On va travailler à notre échelle. Donc à aujourd'hui, on a un lien Facebook qui s'appelle Café Crème. On a également une ligne directe Café Crème. On est prêt, bien évidemment, à recevoir, mais je pense dans la limite de nos capacités.